leçon de notre cours sur la thérapie dynamique et multidimensionnelle ou la thérapie pastorale dynamique et multidimensionnelle du docteur Massamba va porter sur l'appendice 5 à la page 127. Il y a cinq appendices d'ailleurs qui donnent. Et si cette leçon va porter plutôt sur l'appendice 3, il y a cinq appendices que Dr Massamba donne dans son livre, qui est comme un manuel de psychothérapie dynamique et multidimensionnelle. Et dans cette leçon 20 de la thérapie multidimensionnelle et dynamique du Dr Massamba, nous allons plus aborder l'appendice numéro 3 à la page 127. C'est l'appendice qui porte sur les symbolismes de rêve. Vous voyez, beaucoup de gens rêvent puis demandent des significations. Et ici, j'aimerais faire une nette différence. Il y a le rêve comme construction de notre propre mémoire pendant le sommeil. Eh bien, les rêves comme construction de notre mémoire pendant le sommeil relève de la psychologie. La psychologie peut bien examiner la symbolique des rêves. Mais quand arrive la problématique de la signification de l'interprétation des songes, là vous avez affaire souvent, surtout chez les chrétiens, vous avez affaire à des songes prophétiques. Et ces songes ne peuvent pas être interprétés de manière humaine. N'oubliez pas, ça tombe, ces songes tombent dans les registres de révélation ou de prophétie. Donc, à ce moment-là, aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'interprétation particulière, parce que c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé et parlent encore de la part de Dieu. Et c'est très important pour nous de savoir. Tandis que le rêve, qui est une disposition de notre esprit humain, nocturne, et disposition de notre esprit humain généralement nocturne, survient au cours du sommeil et procure à l'individu qui dort, n'est-ce pas, la possibilité de continuer son sommeil. Il peut revenir sur des dossiers de la vie courante et va réexaminer ces dossiers de façon dramatique. Ces rêves peuvent être significatifs en rapport ou par rapport à l'existence même de l'individu ou à l'existence de sa société. C'est à ce moment-là que l'approche rationnelle et scientifique de l'interprétation des rêves devient intéressante. Ceci dit, il faut toujours, comme pasteur, faire une nette distinction entre le rêve humain, les songes et le vision. Une vision, vous avez une vision presque éveillée. Souvent, on est éveillé. Et pof, vous avez une vision, vous voyez, dans un autre monde, comme quand Jean est en train d'aller au ciel ou quand il a vu Jésus à l'île de Patmos. Et l'ange du Seigneur qui lui parlait, c'était une vision, c'était pas un rêve, c'était pas un songe. Un songe, souvent on est endormi et on reçoit le songe, mais qui est une révélation de choses que Dieu veut nous dévoiler. Comme le songe de Pharaon, concernant les 7 années des vaches grasses et les 7 années des vaches maigres, ou des épis gras et des épis secs. Le songe de Nabucodonosor dans le livre de Daniel. Alors voyez-vous, il y a une différence, mais souvent en français on utilise le mot rêve et songe de façon tout à fait confuse et on ne les distingue pas sans le distinguer. Et moi je distingue clairement les rêves qui est totalement humain, le songe
qui est souvent une révélation venant de Dieu quand nous dormons, et la vision que nous recevons souvent sans dormir. On est transporté dans le monde de l'esprit, on reçoit la vision de Dieu. Alors, le symbolisme des rêves que Massamo va donner ici, c'est vraiment au niveau des rêves, hein, et non au niveau des songes et des visions. Voilà pourquoi remarque était importante. C'était nota bene. Le rêve, selon Massamba, sont fréquemment liés à la maladie, au malheur, à la divination. Voyez-vous bien, hein? Mais le songe n'est pas lié à la divination. Le songe est lié à la prophétie. Et nous, on ne fait pas la divination, à la guérison prophétique et aux pratiques traditionnelles des psychothérapies. Et souvent, quand il parle de guérison prophétique, il parle de Ngunza qui, au fond, mélange la tradition à la Bible. Celui qui s'intéresse au traitement des envoûtés doit connaître les significations possibles, les interprétations culturelles qui se trouvent derrière chaque composant de leur rêve. Dit Massamba, c'est vrai. Et il faut aider le patient à découvrir la signification de chaque composant de son rêve. La technique de la théorie de la forme, Gestalt, de gestaltisme, que j'ai étudié depuis 1974 à Kimpese et que j'ai approfondi tout au long de mes études psychologiques, Dr Massamba l'a bien maîtrisé, la technique de la théorie de la forme, Gestalt, qui fait du revers une composante de son rêve, est très utile. Le rêve que tu as, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose d'isolé, c'est un texte qui s'inscrit dans ton existence. Donc tu fais partie de ton rêve, et c'est vrai. Il est donc très utile de savoir que le rêve fait partie de ta vie, par conséquent, le rêveur est une composante de son rêve. Alors, Massamba dit, je l'ai utilisé, cette technique de la théorie des formes, je l'ai utilisé avant de connaître la théorie des rêves. Et dans cette liste, je n'ai cité que les composantes communes chez mes patients. Et leur signification culturelle reflète ce que l'on trouve généralement chez les Bakongo. On peut avoir un autre tableau de signification, de symbolisme de rêve chez les Luba, chez les Mongo, chez les Kuba, chez les Nyanga de Congo central, comme chez les Nyanga du Kivu, chez les Banyarwanda, hein, chaque culture. Chez le Senoufo, etc., chez le Yoruba. Et on peut même voir parfois les Yoruba du Nigeria ont différentes significations de symbolisme de rêve que les Yoruba du Bénin. Ça peut être comme ça, c'est tout à fait normal. Donc vous, comme thérapeute, vous devez vous informer anthropologiquement, sur le plan anthropologique, vous devez vous informer sur le symbolisme culturel des rêves. Voici donc les différentes significations que Massamba nous donne. Quand on rêve un arbre, c'est l'année féconde. L'année féconde, l'année de bénédiction, de chance. Quand on rêve le boa, c'est la prospérité. Les ancêtres se servent du boa comme d'un élément médiateur pour apporter la chance aux vivants. Nous, les chrétiens, on n'a pas la chance, on a la bénédiction. Quand on rêve un cadavre, c'est l'ancêtre malheureux mort. Quand on rêve un caméléon, incertitude, changement de situation. Quand on rêve un camion, arrivée de la mort au village. Quand on rêve une corde, symbole de l'enchaînement
par le ndoki. Quand on rêve la couleur blanche, signe de la présence d'un fantôme. Tandis que pour moi, le blanc, couleur blanche, c'est l'ange. Voyez-vous? Et le blanc, c'est signe de la présence d'un fantôme. Vous voyez, je suis Mukongo, mais je ne m'inscris pas dans ce symbolisme. Et dans les cérémonies de purification, le blanc, ça protège contre le mauvais esprit et les chasses. Le symbolisme de la mort, la couleur noire. La couleur rouge, mort, opposition, conflit, chance à la chasse. Éléphant, destruction, abondance, victoire. L'éléphant peut signifier parfois la destruction, parfois l'abondance, la victoire, ça dépend du contexte. Étoile, un événement nouveau significatif. Étoile filante, symbole de voyage, d'une doki ou du départ de l'âme d'une personne au village. Fusil, meurtre, conflit, mort. Lorsqu'on rêve la pleine lune, c'est la prospérité. Lorsqu'on rêve la demi-lune, catastrophe, destruction. Lorsqu'on rêve une maison, c'est la prospérité. Lorsqu'on rêve un océan, grande étendue de possibilités. Et aussi symbole de malchance parfois. Oiseau, lorsqu'on rêve un oiseau, messager, aptitude à découvrir du nouveau. Alors, il continue à la page 128. Lorsqu'on rêve un pont, c'est le transport dans un lieu inconnu. Signe de chance ou de malchance. Lorsqu'on rêve le serpent, c'est le danger. Il y a Boa, puis le serpent, c'est différent un peu. Lorsqu'on rêve le soleil, c'est la santé. Lorsqu'on rêve le tambour, c'est la joie. Lorsqu'on rêve la viande, pouvoir d'Indoki de manger symbolise le fait d'être empoisonné, d'être mangé, transformé en sorcier. Les vieils hommes, ennemis morts, mais prospérité aussi s'il s'agit d'un ancêtre. Alors tout dépend de quel genre de vieil homme qu'on rêve. Voilà quelques symboles de rêve que Massamba donne et qu'il applique dans sa psychothérapie. Mais j'aimerais vous dire que si vous arrêtez seulement à ses livres, son premier livre de 72, vous n'allez pas saisir le développement de sa thérapie, parce que quand il arrive vers la fin de sa vie, Dr. Massamba, je pense, a fait des expériences personnelles avec le Seigneur et finit par découvrir que c'est le Saint-Esprit seul qui peut interroger les esprits. C'est le titre de son dernier ouvrage psychothérapeutique, « Le Saint-Esprit interroge les esprits ». Nous verrons ce livre dans la suite de ce cours sur la thérapie dynamique, parce que pour moi, ce livre constitue la thérapie pneumatique du docteur Massamba, qui est pour moi le sommet, le développement, le plein développement de sa thérapie qu'il a commencé à monter depuis le début des années 70 ou la fin des années 60. Massamba, à l'appendice 4, nous donne un rapport de l'observation d'une clinique thérapeutique d'Aladura. Et il a emprunté cette étude de Robert Mitchell sur la sorcellerie, le péché, le pouvoir divin et la guérison. Sorcellerie, péché, pouvoir divin et guérison. Les églises Aladura et la connaissance de la destinée chez les Yoruba. C'est une étude publiée par la Commission chrétienne de médecine du Conseil œcuménique des églises en anglais.
Robert Mitchell y étudie la vie religieuse chez les Yoruba, spécialement ceux d'Ibadan et d'Onitsha, et l'église Aladuran, mot Yoruba qui signifie priant, l'église de priants, des gens qui prient, fondée en 1930, est une des plus importantes des églises indépendantes africaines au Nigeria. Alors, il se passe dans cette église d'abord ce qu'on appelle prophétisme, mais eux l'appellent souvent divination, mais je pense que c'est le prophétisme. Le prophète reçoit, d'ailleurs Massamba décrit cette divination comme ça, le prophète reçoit souvent les malades chez lui et quelquefois l'église. Le malade attend son tour, puis l'entre et s'agenouille pendant que le prophète prie sur lui. Pendant cette courte prière, le prophète reçoit une sorte de vision instantanée, voyez-vous? Il ne demande pas des rêves du malade. Il reçoit une sorte de vision instantanée ou message de Dieu qui lui révèle de quoi souffre la personne qui arrive. Et quelquefois, celle-ci dit au prophète avant sa prière la cause de sa souffrance et le genre du traitement qu'il faut suivre sont révélés au prophète par Dieu. Cette phase ressemble aux pratiques divinatoires des Babalawo Yoruba et remplit la même fonction. C'est à un certain moment, parfois, vous voyez des prophètes qui sont comme des devins ou des devins qui sont comme des prophètes. Comment les distinguer? Je vous dirai comment les distinguer. C'est très important. Comment distinguer un vrai prophète d'un devin? On revient d'abord à Massamba et je terminerai par traiter cette question que je viens de soulever tout à l'heure. Cette vision instantanée n'est que le type de communication directe avec Dieu dans le groupement Aladura. Le prophète et les membres de l'église qui sont des voyants reconnus peuvent avoir des visions pendant n'importe quelle période de la prière prolongée et surtout durant le culte. Les révélations se produisent communément durant le rêve, durant le songe. Et en fin de compte, la possession spirituelle, et nous en termes bibliques on parle de revêtement et non possession, le prophète est revêtu, le devin est possédé. Vous voyez déjà une différence. Un devin est possédé, un prophète est revêtu de l'Esprit de Dieu. Il y a un revêtement de l'Esprit de Dieu. Un prophète est rempli de l'Esprit et c'est Jésus-Christ qui le remplit hein, de l'Esprit. Hein? C'est Jésus-Christ qui remplit un prophète de l'Esprit. Un devin ne parle pas de Jésus-Christ qui le remplit de l'Esprit. Un prophète passe par la repentance et la nouvelle naissance. Un devin n'est pas né de nouveau et n'est pas du tout baptisé du Saint-Esprit. Il est possédé de l'Esprit, contrôlé par l'Esprit. L'Esprit d'un prophète est soumis au prophète. Même le Saint-Esprit, il écoute le prophète et il traite le prophète comme une personne avec laquelle il collabore. Le prophète n'est pas possédé par l'Esprit. Il est revêtu du Saint-Esprit. Il a la maîtrise de soi. Alors voilà déjà une grande différence que je donne. Le prophète est baptisé du Saint-Esprit, est rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas possédé de l'Esprit. Il est revêtu de l'Esprit. Alors, donc, chez les Aladura, on revient, le prophète et les membres de l'Église qui sont voyants, reconnus, peuvent avoir des visions pendant n'importe quelle période du culte. Les révélations se produisent communément durant le songe. Et en fin de compte, la possession spirituelle, il parle de possession spirituelle, puis c'est là que je doute fort que les Aladura soient des vrais chrétiens, que l'on encourage durant certains services cultuels et en qui l'on voit le travail de l'Esprit Saint. Si c'est l'Esprit Saint, alors ils ne sont pas possédés, ils sont revêtus.
c'est pas d'esprit particulier, Sunin, autant que je sache, mais de l'Esprit Saint. Donc, ce revêtement au lieu de possession, je corrige le livre du docteur Massamba, a pour fonction première de communiquer des messages venant directement de Dieu. Et ça, l'Esprit Saint, Jésus a dit que l'Esprit Saint prendra tout ce qui est en moi et va vous le communiquer. Alors prenez le temps de lire Jean 14, Jean 15, Jean 16, toutes ces promesses du Saint-Esprit. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Et les fonctions du Saint-Esprit, les opérations du Saint-Esprit. Une des opérations, c'est de prendre ce qui est en Dieu, ce qui est en Jésus-Christ, et de nous le communiquer au nom de Jésus. Ces autres formes de révélation annoncent généralement des calamités collectives ou individuelles, comme exemple une épidémie de variole peut être annoncée chez les Aladura, et seule une série de prières et de rites spéciaux peuvent les écarter. Tout ceci peut s'appeler la médecine préventive des Aladura. Alors, il a constaté, Massamba, que les Aladura avaient des diagnostics. Massamba, ou la personne qui avait enquêté chez le Massamba elle-même, qui avait enquêté chez les Aladura, c'est-à-dire Robert Mitchell, a constaté qu'ils font des diagnostics. Comment font-ils les diagnostics? Les diagnostics. Dans ce domaine, les prophètes admettent le même éventail de maladies mentales et physiques que le public ordinaire de Yoruba. Ils acceptent de soigner toutes sortes de maladies, à l'exception des fractures, qu'ils reconnaissent être beaucoup mieux soignées à l'hôpital. Je me suis entretenu personnellement, dit Mazamba, avec les patients qui souffraient de maux d'estomac, d'hémorragie après un avortement, de pertes d'appétit et de douleurs lombaires, de variole, de folie, de stérilité ou encore qui avaient perdu plusieurs petits-enfants à la suite. Un prophète m'a dit qu'il avait soigné récemment un patient atteint de gonorrhée et des prophètes se spécialisent dans le traitement de certaines affections comme la folie ou la stérilité qui sont deux cas les plus communs. La folie et la stérilité. Alors voilà ce qui concerne le diagnostic ou les différentes maladies qu'il traite, et pas le mode de diagnostic, mais plutôt les différentes maladies qu'il traite. Et là vient l'interprétation de la cause chez les Aladura. Et je vous donne ça un peu pour aussi faire la distinction entre le vrai et le faux, hein? Entre les devins et les prophètes, hein? Et pour que vous ne soyez pas un devin, mais plutôt un prophète de Dieu, hein? Chez les Aladura, les facteurs extra-naturels prédominent dans l'analyse des causes. Mais on admet aussi certains facteurs surnaturels comme le double, les maris ou les camarades du ciel. Par ailleurs, chaque type de prophète reconnaît un degré variable de responsabilité personnelle dans la maladie due au péché de l'individu. On admet aussi des causes naturelles. Un pasteur de l'Église apostolique du Christ disait que la stérilité peut être causée par l'incompatibilité sanguine du couple. Pour un prophète de la jeune Église apostolique, la variole était due à la chaleur excessive ou à la surpopulation. Et la gonorrhée à des rapports sexuels illicites. Donc, ils ont aussi leurs explications étiologiques. L'envoûtement est le plus traité chez les Aladura. Pour le prophète Aladura, donc priant, la cause extranaturelle de la maladie, universellement valable, c'est l'envoûtement. Et leur idée de l'envoûtement est très vaste et diffuse. Pour eux, le résultat des activités antisociales d'individus jaloux ou brouillés avec le patient et qui lui veulent le mal. Les gens qui sont contre le patient, qui sont en querelle avec le patient, et qui lui veulent du mal, l'ensorcellent. Quant à la secte de Chérubins et de Séraphins, qui a débuté en 1925 en Nigeria,
il se produisit de nombreux cas de persécution contre des gens que des prophètes trop zélés désignaient comme sorciers. C'est-à-dire, on les désigne comme sorciers et on les persécute. Alors, c'est donc très important de voir qu'en Afrique, il y a beaucoup de sectes qui traitent les maladies comme ayant été causées par le sorcier. Dans l'Église apostolique du Christ au Nigeria, il y a un courant particulièrement fort qui fait du seul péché personnel la cause de la maladie. Et un des informateurs du docteur Mitchell, un jeune homme de cette église, lui parlait d'un très gros furoncle qu'il avait eu une fois au pied, et il appela le pasteur. Quand celui-ci vit le furoncle, il le regardait s'exclamant, « Comment tu es membre de l'église depuis si longtemps et tu as cela ?» Les autres églises voient dans le péché personnel davantage une prédisposition qui permet aux sorciers de mettre la main sur une personne. Donc les péchés peuvent devenir de fenêtres qui permettent aux péchés d'attaquer d'attaquer les pécheurs. Un jeune prophète à Ladoura remarquait judicieusement que les gens aiment raisonner en imputant leur maladie uniquement aux sorciers. Ou bien que s'ils ne péchaient pas, les sorciers n'auraient pas prise sur eux. Dans la plupart des églises spirituelles ou apostoliques, cependant, les prophètes mentionnaient à peine le péché quand ils parlaient avec Dr. Mitchell. Alors, il est très important ici de savoir que ces gens-là ne sont pas du tout différents des apôtres. Hein? Les apôtres, quand ils ont vu, par exemple, l'aveugle né, ils ont demandé à Jésus si c'est à cause de son propre péché ou des péchés de sa famille. Hein? Donc, ils ne sont pas différents. Hein? Il y a question d'interroger la validité de leur méthode de diagnostic et de leur méthode de causalité. Dans quelques églises apostoliques, on insiste sur la confession avant de prier sur le malade, ce qui est tout à fait normal et logique selon Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est malade et qu'il appelle les anciennes églises, s'il a commis des péchés, qu'il le confesse et ses péchés lui sont pardonnés. Après, on prie. On nous dit de ne pas prier et poser les mains avec précipitation. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tomber malades à cause de leur péché. Mais tout le monde ne tombe malade à cause du péché. N'est-ce pas? Le docteur Mitchell avait constaté que l'église spirituelle à Ladoura et la jeune église du Christ du Nigeria augmentaient l'efficacité de leur prière en utilisant la sainte parole ou des noms comme Jean, Jéhovah, Uriel, et c'est là que nous pouvons clairement dire que cette église-là était syncrétique et que l'esprit qui opérait dans ce guérisseur-là, ce divin, n'était pas de Dieu. Parce que on nous dit dans la Bible de ne recourir qu'à un seul nom, le nom de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes opéraient seulement au nom de Yahweh. Yahweh Jireh, Yahweh Shammah qui est désigné, Yahweh Shabaoth, l'Éternel des armées, Yahweh Shalom, le Dieu de paix, Yahweh Tchidkenu, le Dieu de justice, n'est-ce pas? El Elyon, hein, le grand Dieu élevé, le glorieux Seigneur qui nous élève, et pas au nom de notre prophète. Donc, si vous étudiez la page
127 jusqu'à la page 132, vous allez découvrir clairement qu'il s'agit d'un groupe syncrétique qui utilisait une méthode divinatoire pour traiter les gens. Et là, c'est dangereux parce que vous transmettez, ils transmettent des esprits impurs sur les gens au lieu de les délivrer. Alors, on arrête ici. Et la même chose pour les différentes significations des rêves que nous venons de voir sont des significations tout à fait charnelles, peut-être rationnelles et culturelles, mais elles n'ont rien à faire avec le discernement des esprits que Dieu nous donne. Quand Daniel a reçu, quand Daniel était appelé à interpréter, d'abord à connaître le rêve, le songe de Pharaon et à l'interpréter, eh bien, il a recouru à la force de la prière. Dieu lui a révélé et le songe et la signification. Voyez-vous, ce n'est pas l'esprit des gens d'Aladoura ou de qui encore, non. C'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit lui-même. Nous aussi, c'est la même chose. Si nous voulons bien accompagner les gens, nous devons être attentifs à l'Esprit Saint qui va nous aider de comprendre que ce soit les songes, même leurs rêves, tant mieux, leurs pensées, leurs émotions, leurs souffrances internes, leurs non-dits, leurs non-verbalisés et leurs verbalisés afin de les amener progressivement à la délivrance par la grâce et la puissance du Saint-Esprit.